Sablé, Pithiviers ou Montmorency ont leur pâtisserie. Les Bretons de Montparnasse sont fans du Paris-Brest, mais Évry, c'est quoi son gâteau? Il faut être singulièrement toqué de cette ville pour poser la question et joliment têtu pour s'obstiner dans cette quête depuis 2018. Depuis les coulisses de l'édition 2021, voilà en exclusivité la recette d'un succès qui se réinvente chaque année. Dresser une cartographie éducative de la ville. Solliciter des enseignants investis et fine bouche. Sur leurs conseils, mélanger apprentis pâtissiers et lycéens designers. Quand la fusion opère, appareiller des trios, pâtisserie, graphisme, packaging. Aérer l'ensemble face à l'architecture de la ville nouvelle. Lier ses impressions personnelles à une thématique imposée. Laisser infuser les premières empreintes quelques semaines. On s'est vu une fois, bah juste pour faire les groupes. Ouais, on a aussi discuté de la base qu'on voulait vraiment... On avait tout de suite choisi la cathédrale d'Évry comme modèle de gâteau. On était tout de suite partis dessus, mais on s'est vu qu'une seule fois. Et après, on échangeait nos numéros, puis on parlait très souvent. On ne travaillait pas du tout sur la même chose. Mon logo ne dépendait pas de son packaging, tout comme son packaging ne dépendait pas de mon logo. Pour se soutenir, se motiver, et même améliorer les idées, savoir ce qui allait plaire à l'une ou à l'autre, on travaillait ensemble dans ce sens-là. Et après, avec le pâtissier, tout se passait par message. On lui envoyait nos avancements, il nous envoyait les siens, ce qu'il modifiait, ce qu'il gardait. Par contre, le mot d'ordre du jour, perfection, application. Conseil du chef, apprendre à apprivoiser le langage de l'autre. Confronter à feu doux les pistes, les croquis et les esquisses. Tuiler avec délicatesse, typographie et texture, matière et parfum. Assouplir le fondant des volumes, affiner l'écriture du glaçage. Accentuer le contraste entre couleurs chaudes et nappages acidulés, entre teintes froides et coulis fruités. On voulait passer sur la pyramide de base, mais beaucoup avaient pris ce moule. Je voulais que ça soit différent des autres, et puis bah, j'en ai proposé 2-3 formes de moule pour réaliser l'entremets, et puis bah, on s'est mis d'accord sur cette forme-là pour représenter au plus la cathédrale d'Évry. J'ai voulu chercher une façon d'ouvrir le packaging qui soit atypique. Je voulais une ouverture assez spéciale qui, enfin pour le consommateur, ce soit une nouvelle expérience qu'il ait jamais eue. Le petit plus, s'étonner et rire aussi souvent que possible. Équilibrer, dégrader et gaufrage. Trancher entre génoise sphérique et meringue en spirale. Le grain de sel, accepter les coups de mou et partager ses doutes. Minutes, c'est monté. Il y a après moins de 10 minutes pour monter tout ça. Oui, je connais tout ça. En soi, moi j'ai des feutres dorés. Bah, mais c'est bon, non? Franchement, c'est bon. Après, c'est à toi de voir où tu veux le placer. Moi j'avais très peur jusqu'à ce matin, même si au cas où j'avais mal compris les mesures de la hauteur, qu'en fermant, bon, en fait, ça n'aille pas du tout. Repartir ensemble à la conquête des pyramides et des demi-lunes, naviguer entre craquant et moelleux pour enfin s'accorder sur un bouquet de goût, une forme, un écrin, un nom. Puis vient l'essentielle rencontre avec le public. Bonjour. 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 Ce partage autour de créations éphémères a lieu habituellement au théâtre au cours d'une soirée gourmande animée par 2 élèves comédiens. Après diverses recherches, je me suis orientée vers la diversité culturelle et le multiculturalisme, car en effet c'est une ville assez reconnue pour sa richesse en diversité ethnique, culturelle et cultuelle. Le lettrage est coupé au milieu et ça fait penser, on va dire, à Évry qui a fusionné après avec Courcouronne et l'anneau fait le lien entre les deux. Évry, c'est une ville très exotique parce que c'est une ville hétéroclite par cette diversité sociale et architecturale. Ce soir-là, dans un monde sans masque, les yeux brillent, les papilles sont en fête et, en attendant le verdict des 4 jurys, pâtisserie, graphisme, design, habitants et jeunes, le public d'Évry-Courcouronne savoure les œuvres de ces jeunes talents. On vous remercie tous pour cette belle journée. Le premier prix sera le prix du graphisme qui a été attribué au logo Chronos de Fanny. Le prix du packaging a été attribué à Chloé. Le prix de la pâtisserie a été attribué au gâteau Exotico Sésamu de Evan. Il y aura donc un quatrième et dernier prix qui récompensera l'équipe dans sa globalité, qui revient également à Exotico Sésamu.
un sentiment de fierté immense quand je vois le travail que vous avez abattu. Continuez comme ça, on est fiers de vous. Moi juste je voudrais vous dire, arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de faire des choses compliquées qu'il n'y a que vous qui comprenez. Faites des choses simples. Moi je tenais vraiment à vous féliciter sur tout le travail qui a été fourni. On en a pris plein les yeux, plein les papilles aussi. Donc bravo à vous.